Je vais quand même enlever le masque. Bon. La vérifie. Ouais. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonsoir. Encore bienvenue au point de presse désormais quotidien de ce 27e congrès de l'Union postale universelle. Vous avez compris, aujourd'hui nous avons eu un programme exceptionnel, trois invités. Et le troisième programme, pour ce troisième programme, nous recevons M. Ibrahima Aïdara, le président directeur général de la Poste du Mali, qui nous entretiendra bien évidemment sur les questions liées à la gestion de la Poste du Mali, mais également des difficultés et des perspectives pour les postes de l'Afrique subsaharienne, mais bien au-delà de l'Afrique tout entière, parce que c'est l'Afrique qui invite et c'est la Côte d'Ivoire qui accueille. Donc, c'est un événement au-delà de la Côte d'Ivoire, un événement qui appartient à l'Afrique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer le micro à monsieur le PDG pour son propos introductif. Monsieur le PDG. Merci beaucoup. Merci, chers amis de la presse. Je suis très heureux cet après-midi de m'entretenir avec vous en marge du 27e congrès de l'Union postale universelle qu'on a voulu en Afrique. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Mais comme on dit chez nous, Dieu merci, nous avons su et pu ramener en terre africaine après 87 ans l'organisation de ce congrès. Et c'est tout simplement une belle chose et surtout une fierté pour nous. Merci. D'accord, je voudrais rappeler avant de passer la parole à nos amis journalistes que nous évoluons en format plateau télé et que ces conférences de presse sont transmises en direct sur toutes les plateformes des réseaux de l'UPU. Bonsoir, DG. Je suis Angra Lazare, infodirect.net. Je voudrais savoir comment se porte la Poste malienne et quels sont ses rapports avec la Poste de Côte d'Ivoire et terminé par le flux financier entre ces deux postes-là. Puisque nous parlons de digitalisation, bien sûr. Je pense que vous êtes mieux indiqué pour nous montrer cela. Merci bien. Alors, comme toutes les postes, mais je dirais que la poste malienne particulièrement a connu des moments extrêmement difficiles. Je peux dire que nous avons une situation qui est un peu similaire à la poste de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, avec la politique d'ajustement structurel imposée par la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, la poste malienne a été obligée à un moment donné de se débarrasser de ses services qui fonctionnaient, notamment les services financiers, mais aussi les services télécoms. Et pire, c'est que la Poste a été obligée de garder les passifs de l'entité qui regroupait ces trois activités-là. Donc, résultat, on s'est retrouvé avec une structure postale, une administration postale qui ne faisait que du courrier et qui était censée quand même rembourser le passif qui s'élevait à plusieurs milliards des structures de la structure précédente. Et donc, vous comprenez naturellement que c'est la structure même, elle a démarré avec beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le secteur petit à petit a été ouvert à la concurrence. Et comme vous le savez, dans nos pays, malheureusement, il y a une concurrence anarchique qui s'est mise en place et qui est entretenue par les transporteurs, qui au passage, je le signale, sont interdits de transport mixte dans nos pays, c'est-à-dire la loi les interdit cela. Mais malheureusement, c'est un système qui est en place et qui crée justement cette concurrence anarchique et déloyale face
à nos structures. Et donc, c'est dans cet environnement que la Poste malienne a évolué. Et donc, et au-delà de l'avènement aussi de la digitalisation. Et donc, avec l'avènement de la digitalisation, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, nos autorités n'ont pas su prendre, en tout cas, nos autorités postales n'ont pas su prendre la digitalisation comme une opportunité, mais plutôt comme une menace. Donc, cela aussi a retardé justement le processus de digitalisation de nos process, en tout cas, de bénéficier des bienfaits et des gains de la digitalisation. Donc, c'est pour vous donner une idée globale de la situation dans laquelle évoluait, en fait, évolue d'ailleurs la Poste malienne. Et depuis 3 ans, nous avons effectivement mis en place une stratégie, une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, en fait, nous a amené à restructurer de façon, en tout cas, organique, l'entreprise, qui nous a amené à créer ce qu'on appelle les activités métiers, mais aussi des activités support. Donc, les activités support étant centralisées au niveau directionnel, et les activités métiers, c'est des business units que nous avons créés pour les rendre plus autonomes et plus efficaces dans l'exécution. Alors, la différence entre ces deux activités, c'est que les activités support ont comme client, je vais parler un petit peu technique, ont comme client l'ensemble des structures de l'entreprise. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, la direction des ressources humaines, lorsqu'une structure, une direction à l'interne de l'entreprise a besoin de ressources humaines, elle s'adresse à la direction des ressources humaines. Donc, la direction des ressources ou la direction financière, quand elle doit payer une facture de n'importe quelle des autres directions, et en tout cas, on doit payer une facture de n'importe quelle des autres directions, on doit passer par la direction financière. Globalement, c'est pour vous dire que les directions support ont pour rôle de répondre aux besoins, aux sollicitations de l'ensemble des structures internes, des directions internes, donc leurs clients sont internes. Et les directions métiers, ce sont justement ces structures techniques qui vont maintenant réaliser les activités des clients. C'est-à-dire que la direction commerciale va, par exemple, obtenir des marchés. Derrière, ce sont les directions métiers qui vont l'exécuter. Et donc, nous avons mis en place 3 directions métiers, à savoir la direction de la messagerie, la direction des services financiers postaux et la direction digitale. Et donc, la direction de la messagerie s'occupe naturellement de tout ce qui est activité de messagerie, à savoir le courrier, de façon générale, les lettres, les colis, et les courriers EMS, en fait, les courriers rapides, express, mais aussi les boîtes postales. Et puis, globalement, toutes ces activités qui tournent autour du courrier. Et ensuite, nous avons la direction des services financiers qui s'occupe des activités financières. Alors, si j'ai dit activité financière, je parle des solutions financières destinées aux clients, les solutions de transfert d'argent, les solutions monétiques, etc., etc. Et puis, nous avons la direction digitale, en fait, qui maintenant s'occupe, qui va s'occuper, qui a 2 fonctions essentielles. La fonction de DSI, en fait, qui est la direction des systèmes d'information, c'est-à-dire faire l'assistance auprès des utilisateurs en interne, et la direction, ce qu'on appelle la technologie postale, c'est-à-dire travaille aussi sur des solutions au-delà de la technologie postale, des solutions destinées à des clients, des solutions numériques, par exemple, tout ce qui est solution de tracking, tout ce qui est solution de système d'alerte pour les boîtes postales, par exemple, où quand un client reçoit des courriers dans sa boîte postale, il reçoit systématiquement un SMS l'invitant à venir retirer, etc., etc. Donc, nous avons cette direction qui est chargée justement de faire des solutions innovantes pour permettre, pour attirer la clientèle vers notre structure. Parce qu'aujourd'hui, on s'est foncièrement transformé pour devenir quelque part une structure commerciale au-delà de l'aspect quand même social que nous sommes obligés d'assumer pour le compte de l'État. Donc, vous comprenez naturellement que nous avons été obligés d'abord de nous restructurer et ensuite, dans la stratégie des activités, nous avons intégré le digital. C'est-à-dire que nous sommes en train d'intégrer. Dans la stratégie, nous avons utilisé le digital à 2 niveaux. En tout cas, notre stratégie a pour objet d'utiliser le digital à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de l'utiliser pour accélérer les activités existantes. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de tracking. Les colis, par exemple, ou les courriers que nous envoyons, nous mettons en place des systèmes informatiques qui vous permettent de suivre de bout en bout. Nous travaillons aujourd'hui avec l'administration publique. Nous avons eu beaucoup de difficultés avec l'administration publique parce que souvent, on nous remet un courrier à 16 heures, un courrier urgent, et le lendemain, on dit qu'on nous a remis depuis hier, on n'a pas pu délivrer à temps, etc. Donc, nous avons mis en place un système qui permet justement de suivre, de traquer tous ces courriers, de savoir quand est-ce qu'on nous a remis, quand est-ce que le courrier a été livré, etc., etc. Donc, vous comprenez qu'on met des implications informatiques en place qui permettent d'accélérer le processus existant. Donc, il s'agit d'améliorer l'activité existante. Ça, c'est le premier usage que nous faisons du digital. Et le deuxième usage, c'est de créer des nouvelles activités, des nouvelles solutions. Par exemple, les boîtes postales numériques,
Par exemple, travailler sur les solutions du e-commerce et pour mettre des marketplaces en place. Au-delà de ça aussi, travailler en tout cas sur des annuaires numériques, sur beaucoup de choses. Donc, ce sont ces types de projets que nous visons. Donc, ce sont ces deux types d'usages que nous essayons de faire du numérique pour booster les activités postales. Donc, c'est ça qui est intégré, qui est inscrit aujourd'hui dans notre stratégie que nous essayons aujourd'hui de dérouler. Naturellement, vous comprenez que nos structures ont énormément de difficultés financières, surtout avec l'avènement de avec la pandémie COVID-19. Et donc, nous essayons tant bien que mal de mettre en œuvre et faire face naturellement au quotidien parce qu'il y a aussi les charges qui augmentent. Il faut faire face à ces charges-là. Il faut développer, réinventer le service postal. Donc, ça fait beaucoup d'activités à la fois. Donc, globalement, je dirais que la poste aujourd'hui malienne est une poste qui a aussi certes beaucoup de difficultés, surtout vu son ordre, sa structuration. Mais au-delà de ça, c'est une poste qui aujourd'hui a su avoir clairement une vision qui a été adoptée par l'État. Et cette vision, aujourd'hui, nous sommes en train de la mettre en œuvre. Et je pense que tous nos partenaires, en tout cas, nous ont félicité la plupart du temps par rapport à cette vision que nous avons. En témoignent d'ailleurs souvent nos résultats, parce que en 2018, quand on définissait cette stratégie, au moment où j'arrivais à la tête de la structure, on était à peu près à un taux de satisfaction de 20% des clients au niveau de nos services express. Ça, je vous parle statistique UPU, qui est l'organe quand même qui fait des statistiques pour l'ensemble de nos postes. Aujourd'hui, nous sommes passés à 98% de taux de satisfaction. Donc, vous comprenez naturellement que la stratégie est en train de fonctionner. Au-delà de ça, quand j'arrivais, nous étions même pas dans les 10 premiers en termes de transfert d'argent. Aujourd'hui, nous sommes passés premiers dans la sous-région en termes de transfert d'argent. Donc, vous voyez, sur un certain nombre d'aspects, nous sommes en train quand même de faire des résultats. Au-delà de ça, pareil, pour la préparation, il y a un projet de l'État, un projet de l'UPI qui a été mis en œuvre pour notre région, qu'on appelle le projet ORE pour l'Afrique, qui est le projet opérationnel de préparation opérationnelle des postes au e-commerce. Nous avons entamé le processus en 98, en tout cas après beaucoup de pays. Et là aussi, pour le premier résultat, le Mali arrivait premier en Afrique. Donc, vous comprenez que la stratégie déployée commence à donner quelques résultats, même si en 2020, nous avons eu énormément de difficultés. Bonsoir, monsieur le directeur. Je me nomme Fulbert Yao. Je suis journaliste au quotidien L'Expression. Parlant de stratégie, j'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est la stratégie de la Poste du Mali, en tout cas pour reconquérir les territoires menés par l'insécurité? Ouais. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Oui. Alors, vous avez cité l'une des difficultés aussi qu'on a. Vous savez, les difficultés qui se posent à la Poste malienne sont énormes. Je vous ai cité quelques difficultés tout à l'heure. Il y a la question sécuritaire qui se pose, mais il y a aussi la question de la taille du territoire. Vous savez, le Mali fait 4 fois la Côte d'Ivoire. Le Mali fait 1 240 000 km² avec plus de 2/3 de son territoire qui est couvert de désert. On est un peu comme le Niger qui fait à peu près 1 260 000 km². Bon. Donc, vous comprenez que acheminer des courriers dans ces zones-là n'est pas chose aisée. Et d'ailleurs, le Mali fait partie des pays de la sous-région où le vol domestique se développe énormément, c'est-à-dire les vols entre la capitale et les différentes capitales régionales. Nous avons beaucoup plus de vols que même vers, j'ai l'impression, que l'extérieur. Donc, vous comprenez que c'est parce que, tout simplement, le territoire est assez vaste. Donc, ça demande beaucoup de moyens pour agir. Alors, par rapport à l'insécurité, chose paradoxale, si vous regardez aujourd'hui au Mali, la Poste est la seule structure qui arrive à acheminer les médicaments partout sur le territoire. C'est-à-dire, nous avons la direction, la pharmacie populaire du Mali, qui vend des médicaments un peu partout. En tout cas, les produits de première nécessité, la Poste du Mali, très souvent est utilisée par l'État, en tout cas pour acheminer, et nous arrivons bien à le faire. Au-delà de ça, toutes ces questions liées, par exemple, à l'électricité, quand il s'agit de compteurs d'électricité, quand il s'agit des poteaux électriques, quand il s'agit d'un certain nombre d'équipements dont on a. Parce que finalement, cette insécurité, et je pense que les autorités regardent ça de près, mais on comprend naturellement qu'on peut apporter des solutions. Parce qu'on se rend compte que quand il s'agit des choses essentielles à la vie, on trouve un terrain d'entente avec ceux qui sont hostiles aujourd'hui à l'État malien.
c'est eux qui le réclament. Par exemple, quand on parle de communication, ils réclament à l'État, par exemple, d'avoir des réseaux de télécommunications. Ils réclament à l'État de pouvoir avoir accès à l'électricité, à l'eau, et surtout aussi à tout ce qui concerne les médicaments, etc., etc. Donc, nous essayons effectivement de jouer là-dessus et de montrer un peu à nos citoyens, à nos concitoyens, que ce sont des produits de première nécessité et nous sommes obligés. Alors, notre stratégie, c'est de maintenir et surtout de développer cette stratégie-là pour pouvoir acheminer de plus en plus dans ces zones les plus éloignées. De toute façon, nous sommes obligés de réinventer la poste parce qu'au-delà des zones insécurisées, il y a aussi, à un moment donné, dans nos pays particulièrement, nos citoyens avaient déjà tourné dos à nos administrations postales et des solutions parallèles se sont développées. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de réinventer nos structures postales pour attirer davantage nos clients. Donc, au-delà des zones insécurisées, mais même nos zones qui ne sont pas insécurisées, nous avons un besoin réel de couverture, pas seulement en termes de courrier, mais de service postal globalement. Parce que vous savez, le service postal, c'est un service social. C'est un service qui permet de démontrer, de permettre à un citoyen même d'exister dans un pays si les choses se font correctement. Ça, très souvent, je le dis, parce qu'un citoyen, qu'est-ce qui est essentiel dans sa vie? C'est d'abord avoir un logement, avoir de l'eau, de l'électricité, comme on appelle les services sociaux de base, mais aussi exister en tant que citoyen. Et exister en tant que citoyen, c'est la capacité du citoyen à accéder aux services publics, obtenir une pièce d'identité, obtenir un acte de naissance, être capable d'aller soumissionner à un concours. En fait, tout ce qui concerne les services publics, le citoyen a besoin d'y accéder. Et quand quelqu'un n'a pas accès à cela, il n'est tout simplement pas citoyen, parce que c'est comme s'il n'existait pas. Et seule la poste a cette capacité d'apporter ça sur le territoire. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Vous comprenez que nous avons des structures administratives un peu partout. Et ces structures administratives ne peuvent pas avoir des démembrements partout sur le territoire. L'État n'a même pas les moyens de supporter cela. Prenez une seule direction. Je vous dis, par exemple, prenez la direction de l'artisanat. S'il doit y avoir des directions régionales, les directions dans les cercles, en tout cas notre organisation administrative chez nous, encore des directions dans les communes, puis des représentants dans les villages, vous imaginez un peu combien ça coûte? Donc, la poste est la seule structure qui constitue, en réalité, le prolongement des administrations publiques sur le territoire. Nous sommes censés avoir un bureau, par exemple au Mali, un bureau de poste dans chaque village de plus de 1000 habitants, pour que les habitants de ce village-là puissent ressentir la présence de l'État à leur côté, grâce au bureau de poste, grâce à la possibilité d'accéder aux services publics dans les mêmes conditions, au même prix et avec les mêmes coûts. C'est ce qu'on appelle créer de l'égalité et de l'équité entre les citoyens. Il n'est pas normal qu'un citoyen qui est à Abidjan, qui a besoin de son passeport, mette par exemple 24 heures et à un coût relativement modeste pour l'obtenir, et que celui qui est à Korogo mette par exemple une semaine ou deux semaines et à un coût beaucoup plus élevé pour l'obtenir, ou un casier judiciaire. Ce n'est pas normal. Et dans ces conditions, nous créons la différence entre les citoyens. Ce qui n'est pas logique. Et ça, ce n'est pas le rôle de l'État. L'État n'a pas pour rôle de créer des citoyens de différentes catégories. Et pour l'éviter, nous devons dire justement que la poste, c'est la maison du citoyen. La poste, c'est le guichet unique de l'administration. C'est la poste qui doit permettre à tous nos concitoyens, lorsqu'ils ont besoin d'un acte administratif, de se rendre tout simplement dans un bureau de poste, de payer le même coût que n'importe qui sur le territoire et d'attendre le même délai pour venir récupérer leurs documents. Voilà l'inclusion sociale que nous prenons. Voilà l'inclusion sociale que nous prenons. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Merci. Bonjour. PDG, oui. Si j'ai bien noté, hein, c'est ce qui a été présenté. Donc, j'ai déjà une première question à ce niveau-là. Mm-hmm. Je suis Raphaël Okenyi, infodivoire.net. Alors, la Poste, on peut dire c'est une société d'État, une société publique. Alors, pourquoi l'appellation PDG? Je veux avoir une explication. Pourquoi est-ce que vous êtes PDG au lieu de DG? Mm-hmm. Maintenant, en parlant de la concurrence, vous avez remis dessus deux fois. Mm-hmm. Comment est-ce qu'au niveau de la Poste du Mali, vous gérez la concurrence? Est-ce qu'il y a des partenariats avec les sociétés de transport? Comment est-ce que vous gérez la concurrence au niveau de la Poste du Mali? Alors, le bureau de poste, vous avez noté tout à l'heure que le Mali est un pays assez vaste. Donc, mm-hmm. combien de bureaux de poste
la Poste dispose actuellement au niveau du Mali et puis le nombre d'agents que vous avez sous la main. Merci. OK. Alors, tout à l'heure, j'en rigolais tout à l'heure avec nos amis. Je disais que je fais partie encore des rares responsables de poste à avoir le titre de PDG. PDG qui veut dire tout simplement que je suis président du conseil d'administration et directeur général de la société. Alors, cela est arrivé parce que dans nos pays, il y a un statut en fait qui a été créé, qui est un statut intermédiaire entre une entreprise pleinement anonyme et les structures qu'on appelle un peu les EPA, les établissements publics à caractère administratif. Donc, cela, c'est les statuts EPIC. Et EPIC, c'est établissement public à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire, c'est une entreprise, c'est une société qui a tous les traits d'une entreprise publique, mais qui est limitée dans sa capacité de réaction. Donc, très souvent, d'ailleurs, je rigole avec mes collègues des autres pays, je leur dis que moi, je suis PDG, mais ce n'est pas président directeur général, c'est plutôt pauvre directeur général. Parce que j'ai moins de possibilités, moins de capacités que mes collègues qui sont directeurs généraux. Tout simplement parce que, par exemple, en termes d'engagement financier, je suis très limité par rapport à ceux qui sont des DG, parce qu'ils sont aujourd'hui des sociétés SA. Nous, notre poste est encore EPIC. Et nous avons engagé le processus, justement, de transformation juridique pour devenir, pour devenir SA et nous permettre de faire face à la concurrence. Cela permet d'ailleurs d'entamer la deuxième question, parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés qu'on a pour faire face à la concurrence, c'est cela. Un exemple, lorsque j'ai envie de lancer un produit particulièrement et qui demande un certain nombre de choses, ben, je suis obligé de soumettre d'abord à l'avis de mon ministre, et ensuite souvent obtenir l'avis du ministre des Finances. Ce processus peut me prendre 6 mois. Et si j'ai un concurrent en face qui a vendu de cette solution, en une semaine, il met la solution en œuvre. Et après, on va dire la Poste est venue copier sur eux. Vous comprenez naturellement les difficultés que j'ai. Donc, ce statut de PDG, c'est parce que nous sommes encore un EPIC, mais nous sommes dans le processus de transformation pour devenir une SA, et naturellement, il y aura un PCA et un DG. Donc, c'est vraiment une solution transitoire que l'État est en train de corriger. Alors, donc, pour continuer sur la question liée à la gestion de la concurrence, nous avons soumis à l'État un certain nombre de, en tout cas un plaidoyer, où en fait, malheureusement, au Mali, l'État n'avait pas achevé le processus, je dirais, d'ouverture du marché à la concurrence. Parce que nous avons adopté des textes, nous avons adopté des lois. Des entreprises se sont installées, mais malheureusement, il y a un certain nombre de process qui devaient être finalisés pour justement permettre à tout le monde de respecter les mêmes règles. Et cela n'était pas fait. Donc, on s'est battu d'abord pour, sur le plan institutionnel et réglementaire, de corriger ces insuffisances depuis le 24 mars passé. Et ensuite, par rapport à nos concurrents, nous poussons beaucoup notre autorité de régulation qui attend encore d'autres textes qu'on doit signer, pour agir aussi et rappeler tout le monde à l'ordre. Et le troisième élément, c'est que nous savons très bien que malgré tout ça, nous ne pouvons pas les éliminer du marché. Donc, nous avons mis des schémas en place qui vont nous permettre de collaborer avec eux une fois que ces textes seront adoptés. Parmi ces schémas, par exemple, c'est de les utiliser, c'est de pouvoir justement gagner sur ce qu'ils font tout en leur permettant d'être assez formel, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons déployé une solution qui nous permet de suivre nos courriers en interne. Donc, l'idée pour nous, par exemple, c'est de déployer ces courriers sur ces sous-traitants, par exemple, des transporteurs, et on ne va pas les imposer un coût, ils ont leur coût qu'ils appliquent, mais on va juste leur demander, par exemple, de rajouter 500 francs ou 300 francs par colis ou par courrier, et donc, et d'enregistrer, en fait, le colis dans notre système. Et donc, s'ils transportent le colis, nous, on sait que sur chaque transport de colis, nous allons toucher quelque chose. Donc, c'est aussi cela. Donc, on veut quand même aller à une utilisation intelligente de la loi pour permettre à la Poste de pouvoir… Parce que quand on regarde bien la Poste, en réalité, la Poste n'a pas de concurrence en face parce que nous faisons beaucoup de choses et les autres ne peuvent être que des partenaires parce qu'ils sont performants sur un secteur, mais pas sur d'autres. Et puis, secondo, vous savez… Réellement, je vais vous expliquer un aspect très important dans la Poste. C'est que très souvent, les gens nous disent, oui, mais nous, on préfère utiliser les transporteurs parce qu'ils sont plus rapides, ils sont moins chers, etc., etc. Mais sauf que quand on leur explique qu'il
Il faut qu'ils comprennent que ces transporteurs n'intègrent ni les solutions de sûreté, ni les solutions de sécurité. Pour des raisons très simples, lorsque vous remettez un courrier administratif à un transporteur, d'abord, il est interdit au transporteur de l'amener quand celui qui est censé, en tout cas, il n'y a pas un voyageur qui porte le colis. Bon, c'est ce qu'on appelle le transport mix, il est interdit, mais il le fait quand même. Mais sauf que ce courrier, vous ne savez pas quel traitement il le réserve avant d'arriver à destination. C'est comme ça que les courriers administratifs se retrouvent sur les réseaux sociaux. Il peut l'ouvrir, faire des copies, le mettre sur les réseaux sociaux. Il en fait ce qu'il veut jusqu'à avant destination. Il n'y a personne pour contrôler. Et une fois à l'arrivée, il faut que vous cherchiez quelqu'un pour venir chercher ce courrier et aller distribuer. Mais imaginez si vous n'avez pas de frère ou d'oncle ou quoi que ce soit dans la zone. Comment vous faites ? Avec la poste, si vous remettez ce même courrier, et nous, on est obligé d'abord d'amener le courrier dans ce qu'on appelle le bureau d'échange pour regarder les destinations et les mettre dans ce qu'on appelle une dépêche, c'est-à-dire un sac postal dans lequel nous allons mettre tous les courriers qui sont de même destination. Et ensuite, on pose des scellés dessus devant témoin pour que personne ne puisse l'ouvrir. Et une fois que ça arrive à destination, en tout cas, avant même que ça arrive à destination, on l'engage dans nos véhicules avec un chauffeur et un convoyeur pour contrôler. Et une fois que ça arrive à destination, ben, le receveur, ça va d'abord dans un bureau de poste local. Donc, le chef d'agence local vérifie d'abord si on n'a pas touché au scellé. Parce que de toute façon, ces scellés, si on ne les coupe pas avec des ciseaux, on ne peut pas les toucher. Donc, il vérifie. Une fois qu'il a fait toute cette vérification, il sort les courriers et il utilise ensuite un facteur pour distribuer. Donc, vous comprenez que dans le processus, nous avons beaucoup de ressources humaines que nous impliquons et ça nous coûte cher. Et comment voulez-vous comparer à quelqu'un qui a déjà rentabilisé avec le voyageur, il remet juste le courrier au chauffeur pour dire si tu arrives, tu remets ça. C'est inconcevable, ce n'est pas logique. Donc voilà un peu ce que je veux dire, c'est que tout simplement, nous faisons face aujourd'hui à d'immenses difficultés, mais nous allons aussi utiliser de façon intelligente ces concurrents-là pour le bonheur finalement des citoyens. Aujourd'hui, le Mali a à peu près, en tout cas fonctionne, nous avons 112 bureaux de poste physiques et nous avons ce qu'on appelle les correspondants postaux que nous installons un peu. Mais l'objectif pour nous, c'est d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin parce que la structure reprend. Parce que comme je vous dis, c'est 1 240 000 km². Dans certaines zones, nous avons été obligés d'abandonner un peu les bureaux parce que, bon, il y avait l'insécurité et donc nos agents n'étaient pas vraiment en sécurité. Aujourd'hui, nous essayons de revenir dans ces zones-là. Et puis, c'était un peu difficile de contrôler le chiffre d'affaires dans ces zones parce que c'est un peu compliqué. Donc, par mesure de prudence, nous avons fermé ces bureaux. Eux, on a installé des correspondants postaux. Et petit à petit, nous sommes en train de revenir dans ces zones-là. Merci, je continue toujours. Vous avez parlé de chiffre d'affaires. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc déjà que vous êtes déjà félicité parce que vous êtes premier au niveau des transferts d'argent. Et cette année, oui. Cette année, oui. Donc, j'aimerais savoir quel est ce flux financier entre la Poste de Côte d'Ivoire, la Poste du Mali et la Poste de Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, vous revenez sur la question. Alors, par rapport particulièrement à la Côte d'Ivoire, j'avoue que le flux est assez timide. Parce qu'il y avait eu quelques difficultés par rapport à tout ce qui était compensation entre nos deux pays. Mais avec l'arrivée de M. Isaac Yamba à la tête de la Poste de Côte d'Ivoire, il y a pas mal de questions que nous avons pu mettre sur la table et régler. Et donc, à partir de là, nous avons décidé justement de réinventer nos relations, surtout sur les aspects de transfert financier. D'ailleurs, nous souhaitons, ça je vous le dis, nous souhaitons devenir... En tout cas, dans la sous-région, on veut être un peu le leader. En tout cas, le corridor Bamako-Côte d'Ivoire, on veut en faire un corridor leader dans la sous-région. Et d'ailleurs, nos ministres se sont engagés cet après-midi à cela et nous ont instruits de se mettre au travail dès aujourd'hui pour leur proposer une stratégie permettant justement de développer des solutions de services financiers. Donc, au-delà de transfert d'argent, c'est beaucoup d'autres solutions que nous souhaitons développer entre nos deux pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire intéresse à plus d'un titre le Mali. D'abord, nous sommes un pays continental, donc nous avons la plupart de nos flux passent par le port d'Abidjan.
Donc, vous comprenez naturellement que nous avons un flux économique très conséquent. D'ailleurs, je me rappelle que, ne serait-ce qu'à un moment donné, il y a eu une fermeture des frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était une perte sèche, même pour la Côte d'Ivoire, de plus de 100 milliards. Donc, vous comprenez naturellement que, pour le Mali, c'était beaucoup plus. Donc, vous comprenez naturellement que nos pays sont extrêmement liés en termes de flux économiques. Et au-delà de ça, la diaspora, la première diaspora malienne dans le monde, vous le savez sûrement, c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est en Côte d'Ivoire, c'est 63% de la diaspora malienne à l'extérieur. Donc, vous comprenez que la Côte d'Ivoire est un pays frère et que tous les Maliens se sentent quand même ivoiriens. Donc, nous sommes obligés de développer des solutions qui vont permettre à nos concitoyens aussi d'être beaucoup plus, vraiment d'être pris en charge convenablement entre leurs deux pays, leur pays de naissance et leur pays d'adoption. Oui, je reviens encore, Philbert Yao. Oui. Excusez-moi de revenir encore sur le flux. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres à ce niveau? Maintenant, l'autre question, c'est de savoir quels sont les acquis pour le Mali, c'est-à-dire depuis l'ouverture du Congrès à ce jour, quels sont les acquis pour votre pays? Alors, je dirais d'abord que c'est d'abord les acquis. Je dirais d'abord que nous avons, depuis nos plus hautes autorités, nous avons eu d'abord un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté par rapport à la manière dont nous avons été traités et remerciés par les autorités ivoiriennes. Vous savez que le Mali a été le pays le plus engagé quant au soutien à la Côte d'Ivoire par rapport à cet événement. Nous avons d'abord, depuis le début du processus, il y a un comité de soutien qui a été mis en place, dirigé par la Guinée. Le Mali était le point focal. Le Mali a mis de tout son poids pour que les pays d'abord puissent faire des contributions, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan artisanal et culturel. Alors sur le plan financier, très symbolique, mais c'était pour montrer la volonté de nos pays à accompagner la Côte d'Ivoire. Donc le Mali sur ce plan d'abord a été d'ailleurs premier contributeur. Et secondo, si vous regardez sur le plan artisanal et culturel, le Mali a le plus grand stand ici. Et au-delà de ça, si vous regardez les soirées, je pense que le Mali, la seule soirée où tout le monde a dansé, c'était la soirée du Mali. Vous voyez? Donc, vous comprenez naturellement que d'abord sur ce plan, nous avons... Et donc, nous avons eu effectivement des remerciements officiels des autorités. Et vous avez vu, notre premier ministre est venu à l'ouverture. Aujourd'hui, hier, notre ministre est venu pour accompagner le ministre ivoirien, justement, dans les processus de finalisation de tout ça. Donc, nous avons eu les remerciements officiels des autorités de la Côte d'Ivoire et cela nous réjouit énormément. Donc, ça, c'est le premier élément que je peux dire. Le second élément, c'est que nous avons pu, d'abord, je parle de façon générale, nous avons pu se battre aux côtés de nos amis frères, de nos frères africains, pour maintenir un certain nombre de choses, notamment pour que le Congrès ne soit pas vidé de sa substance. Parce qu'à 87 ans après, organiser une conférence en Afrique et vider ce Congrès plutôt de sa substance n'était pas quelque chose vraiment qui pouvait passer pour nous. Mais j'avoue que l'esprit de la cohésion a primé. Au-delà des pays africains, c'est toute la communauté postale présente ici qui a su mettre au-dessus de tout l'intérêt global. Et ça, c'était notre volonté. Ça, nous avons su l'obtenir. Et au-delà de ça, aujourd'hui, notre premier ministre l'a évoqué. Vous savez, aujourd'hui, nos autorités, les autorités maliennes particulièrement, à commencer par le premier ministre et aussi le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration au Mali, sont foncièrement engagés à la relance de la poste. Et donc, dans cet esprit-là, le Mali a commencé petit à petit quand même à se positionner aussi dans les instances des différentes organisations, que ce soit au niveau des unions restreintes, mais aussi au niveau de l'UPU. Donc là, aujourd'hui, nous sommes candidats pour être membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Et à ce niveau, nous avons, j'avoue, eu le soutien de nos pays frères de la CPAO, c'est-à-dire de la CDAO, la CPAO étant la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'UPU, mais aussi de l'UPAP, enfin pas de l'UPU, aussi de l'UPAP, qui est l'Union panafricaine des postes. Donc, à ce niveau-là aussi, nous pensons que nous avons toutes nos chances
Et en tout cas, nous sommes de plus en plus rassurés que le Mali a toutes ses chances d'être membre de l'Union postale universelle. Et nous avons aussi fait des contributions. Nous avons fait des contributions par exemple liées à tout ce qui est stratégie postale, tout ce qui est lié, je dirais, aux rémunérations. Nous avons été très assidus dans les travaux et nous avons fait des propositions concrètes au niveau africain qui ont été quand même retenues souvent et ça, nous en sommes très, très fiers. Donc, je dirais que l'objectif, pour le moment, les objectifs que le Mali s'est fixé, en tout cas les objectifs spécifiques qu'on s'est fixés pour ce congrès-là, nous sommes en train petit à petit de les atteindre et on espère que cela va continuer jusqu'à vraiment la victoire ultime qui est vraiment d'être retenu comme membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Le chiffre de... Oh oui, alors, les chiffres d'affaires de la Poste du Mali, vous savez, comme je l'ai dit, nous, on fait pas, on n'a pas de, pour le moins de caisse d'épargne, de banque postale, donc on fait surtout du courrier et quelques services financiers. Nous tournons aujourd'hui autour de 2 millions d'euros, je dirais, environ, oui. Donc, avec à peu près 400 employés, quoi, à peu près, mais autour de 400. Le flux, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit que ce flux était vraiment pratiquement nul. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre des nouvelles stratégies en place pour relancer. Parce que je l'ai dit, le flux existait, mais il y avait eu quelques difficultés de part et d'autre qui devaient être levées avant de continuer les transferts. Ce qui fait qu'il a fallu travailler d'abord sur ces questions-là et entre-temps redéfinir. Parce que vous savez, beaucoup de ces flux étaient liés d'abord à tout ce qui est mandat. Et les mandats physiques, en fait. Ce qu'on a, je ne sais pas si vous connaissez un peu les mandats ordinaires. Donc, ces mandats ordinaires nous ont posé énormément de soucis. Énormément, parce que ça nous demandait beaucoup de mobilisation de fonds pour finalement ne rien gagner. Donc, nos pays n'étaient pas très, très exaltés à exécuter ces mandats ordinaires. Il a fallu trouver des solutions à toutes ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes justement en train de sortir de cela. Donc, je pense que très, très rapidement, tout va rentrer dans l'ordre et puis nous allons faire de très gros chiffres. Monsieur le directeur, bonsoir. Je suis Larissa Baguidi du quotidien Le Rassemblement. Alors, parlons des instances de l'Union. On remarque au niveau du conseil d'exploitation, il y a assez de candidatures africaines. Mais en ce qui concerne la direction générale et la vice-direction générale, il y a seulement une seule candidature, celle du Cameroun. Comment est-ce que vous expliquez, on va dire, ce faible engouement de l'Afrique pour les autres instances, on va dire? Merci. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un faible engouement, mais vous savez, c'est des éléments qui démontrent la suffisance que l'Afrique sait compter sur elle-même. Et vous savez, nous avons... D'abord, les organisations qu'on appelle des unions restreintes dans nos différentes zones. Nous avons l'Union, nous avons l'Afrique de l'Ouest qui a son organisation, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, etc. Et après, on se rejoint au niveau africain qu'on appelle l'UPAP. Et très souvent, parmi, dans ces différentes organisations, nous discutons déjà des candidatures. Nous discutons déjà, par exemple, au niveau CPAO, nous regardons quels sont les pays qui sont intéressés par le CEP, mais aussi quels sont les pays qui sont intéressés par l'UPAP, mais aussi par l'UPU. À partir de là, on essaie de mettre un mécanisme en place qui permet de dialoguer, d'échanger entre les pays pour finalement retenir un certain nombre de pays que nous allons présenter ensuite à l'UPAP, au congrès de l'UPAP, pour, comme candidature ouest-africaine à telle ou telle instance. Et très souvent, nous regardons aussi parmi les candidatures, quelles sont les candidatures à même d'aboutir. Donc, à partir de là, on s'est dit, bon, d'abord, nous avons le secrétaire général sortant de l'UPAP qui n'a pas du tout démérité et qui s'est beaucoup battu pour nous et qui a toujours été là et qui a beaucoup travaillé à l'UPU. Donc, qui est très rompu aux tâches, en tout cas par rapport à l'UPU. Et nous avons un Africain aujourd'hui qui dirige quand même l'UPU, le directeur sortant, l'ambassadeur Bichara Hassan,
qui est aujourd'hui celui qui dirige l'UPU. Donc, on s'est dit tout simplement que pour renforcer et surtout nous donner plus de chances d'obtenir, parce qu'on s'est dit que l'Afrique doit toujours rester au niveau exécutif de l'UPU. Vous savez quand même, l'UPU, c'est la deuxième organisation spécialisée de l'ONU. C'est pas facile, c'est 192 pays, tout le monde veut être candidat. Donc nous, on s'est dit, pour nous donner plus de chances, il ne faut pas multiplier les candidatures à ce niveau-là. Comment travailler à réunir l'Afrique autour d'une candidature? Parce que si on est ensemble, il y a toutes les chances qu'on remporte la victoire. Donc, ce qui explique un petit peu le choix de nos pays par rapport à la candidature de la direction de l'UPU. Maintenant, au niveau du conseil d'administration, il y a quand même des règles qui sont établies où nous avons les continents qui ont un certain nombre de postes. Donc, il n'y a pas, en général, beaucoup de soucis, sauf si plus on n'arrive pas, justement, lors de ces rencontres dans les unions restreintes, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les candidatures. Là, dans ces conditions, on se retrouve avec des candidats, plusieurs candidatures africaines pour les mêmes postes. Donc, vous voyez, c'est pas très, très… Par exemple, je prends l'Afrique de l'Ouest. Nous, on a droit à 3 postes au niveau du CA. En tout cas, c'est la répartition qu'on a. Et donc, si on arrive à arrêter 3 pays, il y a des chances que ces 3 pays puissent passer, même si d'autres peuvent passer par derrière pour poser leur candidature. Et malheureusement, c'est arrivé. Ils peuvent passer au niveau surtout du CEP. Maintenant, vous l'avez dit, au niveau du CEP, par contre, effectivement, on a eu un peu plus de difficultés. Mais nous espérons et nous pensons que… Encore une fois, la sagesse va l'emporter par rapport, en tout cas, à toutes ces velléités. Et qu'au final, avant d'arriver au vote, nous allons quand même trouver un compromis entre les pays, encore une fois, qui n'arrivent pas pour le moment à se mettre d'accord pour justement les candidatures au niveau CEP. Donc, c'est vraiment le fait de développer cette entente entre nous qui fait qu'on essaie d'éviter au maximum d'avoir la cacophonie au niveau des candidatures africaines, au niveau des instances, des différentes instances. Okay. Bien, merci, monsieur le directeur général. Le président directeur général, j'avais dit. Je ne dirais pas pauvre directeur général, très riche, prometteur directeur général, je dirais. Question qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est à quelle heure demain les votes pour la direction générale? Là, vous me posez… C'est dans la matinée, dans tous les cas. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que le programme n'arrête pas de bouger. Mm-hmm. Vous savez, souvent, on se met d'accord. Hier, par exemple, on était en commission finance. On n'a pas pu se mettre d'accord. Il a fallu mettre un groupe restreint en place, continuer à travailler dessus. La plénière continue, mais parallèlement, il faut que cette commission revienne. Donc, très souvent, c'est normalement dans la matinée, mais nous attendons de voir les résultats quand même d'aujourd'hui pour voir s'ils ne vont pas encore changer les horaires. Parce que vous avez vu, on a été même obligé souvent de travailler les samedis pour rattraper le temps perdu, quoi. D'accord. En fait, ma question en rapport avec l'annonce que je vais faire. Demain, il n'y aura pas de conférence de presse comme programmé d'habitude. On aura plutôt une conférence de presse avec le nouveau directeur général élu et son vice-directeur général. Mmh, et l'heure de cette conférence de presse sera fonction, bien entendu, de la tenue des élections, parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un ou deux tours, trois tours, etc. Ah ouais, c'est... Parce que ce sont des élections quand même démocratiques. Hein. Exactement. Et il n'y a personne qui rentre chez lui avec les urnes. Ah non, tout se fait dans la salle. C'est clair. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc demain, ici, je pense qu'à partir de 9h, vous pouvez venir déjà. On pourra vous donner des documents en rapport avec cette élection. Et il faudra être attentif parce qu'une fois l'élection terminée, le nouvel élu et son bureau, notamment le vice-directeur général, viendront ici pour répondre aux questions de la presse. Donc, c'est quand même un événement important qui est un peu le clou de ce que nous avons entamé ici depuis 3 semaines. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais laisser Habib, c'est la jeunesse. Ah oui, c'est voilà, ça. Qui va un peu comme à la poste. Hein. Bon, voilà. De plus en plus, oui. Voilà. D'accord, Monsieur le Président, Directeur Général, nous arrivons au thème de la deuxième phase, c'est-à-dire les échanges avec les journalistes. C'était une heure, c'est passé tellement vite. Ah oui, oui. C'est passé tellement vite, ce qui veut dire que vos échanges ont retenu l'attention des journalistes. Mais il est de tradition pour clore ce point de presse, de laisser le mot de fin à notre invité. Bon, en tout cas, d'abord, je commence par remercier toute la presse parce que cela a permis de donner
plus de visibilité, plus d'engouement à l'événement, parce que même dans nos pays, malheureusement, comme je l'ai dit, le secteur postal est de plus en plus méconnu de la nouvelle génération. Et je vous dis, avant d'arriver à la poste, personnellement, je pensais même que la poste est finie. Donc, vous comprenez naturellement que vous avez un rôle très important à jouer et nous comptons beaucoup sur vous. Au-delà de ça, nous souhaitons honnêtement que nous puissions sortir, nous puissions partir de la Côte d'Ivoire avec des instances renouvelées, avec plus de confiance des membres, des pays membres, et dans la cordialité. Et surtout, nous comptons être membres naturellement du conseil d'administration. Et puis, nous remercions particulièrement le pays hôte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre aux petits soins et nous permettre de vivre cet événement vraiment comme jamais. Et encore une fois, je vous remercie. Et puis, bonne chance à nos candidatures africaines. Merci. Merci. Ok, parfait.